Hello le chat, juste je me prépare et j'arrive. Je suis à vous juste après. Je vais désactiver ça. Tac. Clément ? Ouais. Pour les tutorats, est-ce qu'on peut demander à ceux qui nous font les tutorats d'avoir un petit peu d'aide ? Pour quand ? Pour lundi ? Oui. Oui, tu peux, ou sinon sur le serveur Bax Basics. Parce que là, actuellement, je pense qu'ils ont pas beaucoup de temps. Je peux plus faire ça. Ça, en plus, elles sont pas si longues, hein, les démos. Ah ouais? Oui, c'est deux pages. Il se dopage deux démos. Ouais, c'est pas ça alors. Une démo, c'est une page. Une démo, c'est une page. Même un peu moins, vu qu'il y a le théorème. Mais il y a un gros carré où ils énoncent le théorème. Oui, il y a un gros carré où ils énoncent le théorème, un peu plus haut. Ouais, c'est ça. Un peu plus haut, ils te disent, ouais, on va voir ça. Ensuite, il y a le carré où ils énoncent les théorèmes. Ouais, c'est ça. Donc, C'est ça, du coup, ça fait genre. Ouais, ça fait moins d'une page, ça fait la moitié chacun. À peu près, ouais, c'est genre trois quarts de page chacun. Ok. Hop. Bonjour. Putain, pardon. Je m'en fous. Est-ce que je peux le mettre en blanc? Je me fais ratio. Est-ce que c'est en blanc? C'est pas en blanc, bah nix. J'espère que ça se verra. Alors. Est-ce qu'on aura des copies sur. Ça là? Oui, tu l'as posé. Oui, eh ben, je vous l'envoie tout de suite sur Discord. Merci. Ouais, alors, du coup. Bonjour à tous, bienvenue. J'espère que c'est pas trop tôt pour vous, parce que moi c'est giga trop tôt. Donc. Est-ce que en distanciel vous voyez? Déjà, c'est à vous de me dire. J'essaie de zoomer, mais bon, on va voir. Dans tous les cas, je vais renvoyer ça. Tac, super. Oui, très bien, super. Est-ce que vous voyez bien maintenant? Ouais. Tac. Ok, super. Donc du coup, je vais vous envoyer ouais, cette fiche. Donc c'est une fiche Notion. On va commencer à un peu immigrer vers Notion plutôt que nos PDF sur la tech. Donc cette fiche-là, je vais essayer de vous l'envoyer. Alors elle est où? Elle est là. Donc il y en a une sur les équations différentielles, une rapide sur les développements limités. Pour rappel, vous, pour les développements limités, vous avez juste à apprendre les 5 développements limités usuels. Donc on va avoir quoi? Exponentielle, sinus, cosinus, ln. Il y a aussi un sur racine de 1 plus x. Racine de 1 plus x. Racine de 1 plus x, vous pouvez le retrouver avec une autre formule. Oui, 1 plus x à la puissance alpha. Il va avoir aussi la formule 1 sur 1 moins x, si je dis pas de bêtises. Oui,
Et voilà. Donc je vous la montrerai juste après. Tac, je cherche mon chargeur. Donc du coup ça je voulais envoyer sur Discord. On va essayer de voir un peu l'affiche, les différentes méthodes que vous allez avoir pour les équations différentielles du premier ordre et ensuite du second ordre. Au revoir. Par la suite, on va essayer de faire quelques applications tout de même, parce que je pense que pour votre contrôle de cours, il va y avoir au moins une ou deux équations différentielles, voire plus, puisque pour vous évaluer sur les équations différentielles, mis à part en faire, je vois pas comment il pourrait le faire. Ou enfin peut-être avec la méthode, je sais pas, bon bref. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire comment faire les contre-exemples aussi ? Ouais, les contre-exemples, on fera ça. Et voilà, donc n'hésitez pas, si vous aimez, vous avez des questions en présentiel, de lever la main, en distanciel, d'envoyer un message sur le chat, j'essaierai de regarder rapidement. Voilà, est-ce que je peux monter le son ? Évidemment que je peux monter le son. Ah oui, le son est très bas. Est-ce que là c'est mieux ? Là je vous ai pété les tympans même. Ok. Et sinon c'est Tipar. C'est Tipar. S'inscrire sur Moodle aussi. Et oui, je vous invite à marquer votre présence sur Moodle. Normalement c'est déjà préparé. Donc vous allez sur Moodle de Back to Basics, vous avez une catégorie présence. Je vous invite à mettre présent. Et ensuite, du coup, on va pouvoir commencer. Super. Ah, les oreilles. Je suis désolé pour vous. Ok. Qu'est-ce que j'ai pris ? Ok. Ça a changé. Enfin, non, je... Ça réveille. Et tant mieux. Si ça réveille, c'est le but. Ok. Donc, du coup, les équations différentielles. Les équations différentielles, vous allez avoir du coup deux ordres, évidemment. Les équations différentielles du premier ordre et ensuite les équations différentielles du second ordre. On va s'attarder d'abord sur les équations différentielles du premier ordre. Le premier ordre, qui est la formule, qui est la forme d'une équation différentielle du premier ordre, ça va être AY' plus BY plus C, qui est égal à C, pardon. Vous allez avoir du coup A, B, C qui vont être des fonctions, pas forcément des réels, et Y qui est ici du coup votre inconnu dans votre équation. Je vous rappelle, les équations différentielles, c'est avec une inconnue, Y, qui va être une fonction. On a déjà vu du coup les fonctions avec des inconnus réels, et du coup cette fois-ci, ça va être les inconnus avec des fonctions. Ok. Donc du coup, cette équation-là, AY' plus BY est égal à C, vous allez avoir du coup une méthode pour trouver la forme de ce Y-là. Cette méthode-là va être découpée en trois parties. On va d'abord chercher la solution homogène, ensuite trouver une solution particulière, on dit une solution particulière puisqu'il peut en avoir plusieurs. Et enfin, il y a une conclusion. Donc, pour la solution homogène pour une équation différentielle du premier ordre, on va d'abord poser une équation homogène. L'équation homogène, c'est juste en remplaçant le C par un 0. Donc, on va avoir AY' plus BY qui est égal à 0. À partir de ce moment-là, on va pouvoir trouver du coup un Y0. Ce Y0-là, il va être de la forme K fois exponentielle de moins l'intégrale de B de X sur A de X dx. Donc en gros, il faut faire trouver la primitive, une primitive de b de x sur a de x, faire le négatif et mettre tout ça en k exponentielle. Et du coup, les solutions vont être de la forme y0 qui est égal à k exponentielle de moins l'intégrale de b de x sur a de x dx. Ok ? Donc ça, c'est la première partie des équations différentielles du premier ordre. On va passer du coup à la seconde partie, si c'est bon. Ok. Et donc du coup, ouais, le B de X et A de X, ils correspondent à quoi ? Ils correspondent aux éléments qui sont dans votre équation homogène, et donc dans votre équation de base.
Donc ensuite, faut réduire, blablabla. Très bien. Ouais. Juste en gros, au-dessus, dans la solution du coup S0, ouais. En gros, ça, l'ensemble, ça va toujours aller sur R du coup. Oui. Tu vas avoir toujours un réel à la fin pour Y0. Oui. Ouais, voilà. Très bien. Et le I, du coup, correspond à ce qu'on vous, ce qu'on vous demande. Donc, par exemple, on vous dit trouver une solution sur quelque chose. Et ce sur quelque chose, ça sera votre I. OK. Alors, la solution particulière. Enfin, une solution particulière. Pour trouver une solution particulière, soit vous la trouvez et qu'elle est évidente, donc par exemple une constante, soit du coup vous retrouvez la forme qu'on avait juste avant, YP. Donc on va reprendre notre équation E et on va dire, bah tiens, une solution de notre équation E va être YP qui est égal à K de X fois exponentielle de moins l'intégrale de B de X sur A de X dx. Ici vous remarquez que du coup ça ressemble très fortement à notre Y0. Jusque ici, notre k, c'est une fonction. Donc c'est pour ça qu'on le note k de x. Si c'est une fonction, ça veut dire que la dérivée de yp, ça sera pas forcément, enfin ça sera du coup quelque chose un peu plus compliqué entre guillemets. Votre yp prime, super, ils ne sont pas vus. Alors le yp prime, il va être égal à quoi? Va être égal à B de X sur A de X de base. Ouais. C'est puisque en fait c'est à la primitive. Parce qu'en fait, Y. Oui, ok, oui. Donc ça serait. C'est la primitive de BX sur AX. Mm-hmm. Normalement, la dérivée, c'est l'inverse. Ouais, c'est ça en gros. En fait, ce que vous allez avoir, la dérivée de YP, bah, ça va être la dérivée d'un produit, puisque vous avez un produit de deux fonctions. Donc ça va être d'abord k' de x, exponentielle de moins l'intégrale de b de x sur a de x, dx, plus, enfin moins du coup, la constante qui est juste au-dessus ici, moins l'intégrale de b de x sur a de x, dx, j'ai pas cette place. Multiplié par k de x exponentielle de moins l'intégrale de b de x sur a de x dx. En fait, ce que vous allez avoir sur l'intégrale, là, vous allez avoir une constante. Je l'écris de cette forme-là, mais c'est juste que ici, dites-vous que vous, ce que vous allez avoir sur l'exponentielle de moins l'intégrale de b de x sur a de x, c'est comme si j'avais exponentielle de, je sais pas, a, par exemple. OK ? Et c'est pour ça que, du coup, c'est un peu moche. Mais sinon, si je peux la réécrire, je peux noter par exemple, vous allez avoir du coup votre epsilon de x qui est égal à moins l'intégrale, moins exponentielle, pardon, exponentielle de moins l'intégrale de b de x sur a de x dx. En fait, la dérivée de yt, ça va être k' de x, epsilon, pardon, de x, plus k de x multiplié par epsilon prime de x. OK, en vous rappelant que du coup epsilon de x, bah, c'est ce que vous avez trouvé juste au-dessus avec l'équation homogène. Donc ça, c'est juste la dérivée. OK. Alors, donc du coup, vous allez pouvoir calculer yp prime et ensuite, en injectant yp prime et yp, vous allez du coup pouvoir retrouver l'expression de k de x, et du coup retrouver l'expression complète de yp. OK ? Ça va ? Je regarde sur Discord. Il n'y a pas de questions. Super. OK. Très bien. Alors, ensuite, du coup, bah à la fin, ce qu'il vous reste à faire, du coup, c'est trouver l'ensemble des solutions. Et l'ensemble des solutions de l'équation E, ça va être du coup la somme de la solution homogène plus une solution particulière.
Donc votre y va être égal à y0 plus yp. Ok. Et vous avez juste à additionner les deux. Est-ce que ça a... Ouais. Ok. Et du coup, on va faire un petit exemple rapidement et ensuite vous allez pouvoir travailler également. Hop. Alors, donc du coup, j'ai fait exprès pour vous différencier les différentes parties. Vous n'avez pas forcément besoin de le faire sur votre copie. C'est juste que pour que ici, ça soit un peu plus clair pour vous. Donc, on va prendre une équation E, y prime plus y est égal à l'exponentielle de x moins 1 sur R. Donc, on veut trouver notre y sur R. La solution homogène qu'on va avoir ici, l'équation homogène qu'on va avoir ici, ça va être y prime plus y est égal à 0. Je vous rappelle, du coup, on remplace la partie à droite par 0. Ouais. Les solutions de cette équation sont de la forme y0 qui est égal à k exponentielle de moins l'intégrale de b de x sur a de x dx. B de x est ici égal à 1 et a de x est aussi égal à 1. Ok, donc vous allez avoir 1 sur 1. 1 sur 1, ça me donne 1. Et l'intégrale de 1 va me donner du coup x. Donc, vous allez avoir y0 qui est égal à k exponentielle de moins x. Ok. À partir de ce moment-là, vous allez pouvoir trouver votre ensemble de solutions pour l'équation E0. Et vous allez avoir du coup y0, enfin l'ensemble des solutions S0 qui va de R dans R. Et à tout x, on associe y0 qui est égal à k exponentielle de moins x. Ok. Est-ce que ça a ? Avec k une constante. Alors, ensuite... Alors, la solution particulière. La solution particulière ici, bah, j'avoue que je sais pas. Enfin, genre, je peux pas la trouver comme ça rapidement. Donc, on va passer par notre méthode de base qui va être du coup prendre notre y0 et remplacer notre constante k par une fonction k de x. Okay. Donc, yp ici est égal à k de x fois exponentielle de moins x. À partir de ce moment-là, on va pouvoir dériver yp, trouver une expression. K prime de x exponentielle de moins x moins k de x exponentielle de moins x. Ok. Et du coup, bah, on va pouvoir injecter yp dans l'équation E et on va avoir du coup yp prime plus yp est égal à exponentielle de x moins 1. Ok. Juste remplacer du coup mes y par des yp. Je remplace tout ça, je vais avoir quelque chose là de la forme de la deuxième ligne. Et à la fin, je vais avoir quoi? Je vais avoir k' de x qui est égal à exponentielle de x multiplié par exponentielle moins 1. Et du coup, bah, à ce moment-là, je vais trouver une expression pour k' de x. Et nous, ce qu'on veut, c'est k de x. Donc, on va trouver une primitive. Et du coup, une primitive de k' de x, ça va être k de x qui est égal à 1 demi de exponentielle de 2x moins exponentielle de x. Ouais. Avec un k'de x ? Pas forcément. Genre, tu vas avoir des moments où tu vas avoir que k de x, et à ce moment-là, bah, du coup, tu as déjà ton expression de base. Sinon, si tu as des k' de x, bah, va falloir que tu fasses une primitive. Ok ? Et donc, du coup, j'injecte maintenant mon k de x dans mon yp, et je vais avoir une expression avec 1 demi de exponentielle de x moins 1. Ok ? Est-ce qu'il y a des questions ? Non. Et effectivement, du coup, le Notion est disponible sur Discord. Ok. Et du coup, la conclusion, ça va être bah, la somme des deux, donc k exponentielle de moins x plus 1 demi de exponentielle de x moins 1. Ok. Ok. Donc, je vais vous faire, je vais vous donner une équation différentielle du premier ordre. Tac, tac, tac. Alors, elles sont où ? Pap, c'est là, l'air très bien. Ouais. Ok. Alors, vous allez avoir une expression de E qui va être du coup, j'ai déjà oublié, 1
plus x au carré y prime plus xy est égal à 3x cube plus 3x. Et ça va être super. Donc je vous laisse faire cette équation différentielle et ensuite on passera du coup sur les équations différentielles du second ordre. Oui. J'ai pas accès au... À ça là ? Oui. T'as pas accès ? C'est ton téléphone. Je vais te faire un peu d'accord. Je sais pas, ouais. Ça prend, c'est pour l'essentiel. Ouais. Okay. Là, du coup, c'est pour le son de la table. Celle-là qui est au tableau, là. Ok. Et du coup. Oui, non, en fait, vous allez avoir que des K' de X. Et jamais des K de X. Ok. Du coup, en distanciel, si jamais vous voulez les envoyer ce que vous avez fait, n'hésitez pas. Mes DM sont ouverts. Donc le but c'est à chaque fois d'isoler K' par tous les moyens pour l'équation pour la solution homogène oui pardon pour la solution particulière oui sauf si vous trouvez du coup une solution particulière pas usuelle pas particulière enfin évidente ouais. Et je crois que je vous le dis comment le faire. Tac tac tac. Voilà, il se peut que la solution particulière soit facile entre guillemets, donc évidente. On dit ça. Tac tac tac. Si on ne trouve pas de solution évidente pour YP, YP est égal à Y0. Non,
faut faire attention. YP va pas forcément être égal à Y0, c'est que YP, en gros, tu vas reprendre ton Y0 et tu vas remplacer la constante K par une fonction K de X qui est du coup différente de Y0. X sur 1 plus x au carré, alors attends, je ne dis pas de la merde, je crois que c'est ça. Wait, hein. Ça fait ça. Pourquoi j'ai ça? Pack, tac. Ok. C'est quoi, c'est 1 plus x au carré? C'est ça. 1 plus x, c'est 1 sur. C'est pas parfait ça. Non, c'est pas, c'est 1 sur. Si tu simplifies par x, est-ce que tu peux avoir genre 1 sur. 1 sur x plus x. Ah non, faut que ce soit au carré. Pourquoi j'ai ça? Je vérifie mes trucs. Hein. Avoir du coup l'expérience de trucs. Du coup, ça va être.
Ok. Ce que tu as au... Si tu calcules la dérive de ça, du dénominateur, ça donne quoi? Je la dérive? Ouais, la dérive de ça. C'est 2x. C'est 2x. Est-ce que ça ressemble pas à quelque chose à, au-dessus? Ouais. Ouais. Du coup, tu vas avoir une expression de la forme de prime sur u. Divisé par 2, le... Oui, divisé par 2, enfin sans les constantes. Okay. Mais t'as une forme comme ça. Ok. Du coup, t'as une LM. Ah. Ok. Ouais. Et voilà. Tu vas avoir un LM avec ça. Et on ne tient pas compte du... Si, 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 tu vas tenir compte de ton divisé par 2. Et je te laisse du coup retrouver cette forme-là. Ok. Okay. C'est B de X sur A de X. Du coup, il faut juste que je règle X avec les deux. Ouais, c'est ça. Merci. Alors, en distanciel. Quand il n'y a pas de solution évidente, tu prends Irison. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Alors, est-ce que tu peux envoyer le lien? J'ai pas le lien. Rafraîchissement de la flèche. Tac, tac, tac. Et du coup, pour les personnes qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à mettre votre présence sur Moodle, dans le Moodle de Bax Basics. C'est ça, c'est quelque chose comme ça. Ok. Est-ce qu'on peut corriger la solution homogène? Oui. La solution homogène, là, tu pourras simplifier. Tu simplifies avant de passer à la vidéo. Ok. On va faire un peu de temps. Alors. Ok.
Du coup, alors la solution homogène de cette expression là, on va prendre d'abord du coup notre notre équation homogène. Ok, pour l'équation homogène, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, soit E de 0 avec 1 plus x au carré y prime plus xy qui est égal à 0. Donc, on reprend la même chose, donc la partie à droite qui est égale à 0. Ok, à partir de ce moment-là, du coup, on va pouvoir dire bah, donc y0, ça va être de la forme k exponentielle de moins l'intégrale. Donc, de quoi? Px sur. Ouais. Du coup, ce serait de x. X. Sur 1 plus x carré. Sur 1 plus x au carré. Dx. Ok. À partir de ce moment-là, du coup, vous allez pouvoir du coup se dire, ah ben, tiens, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, donc 1 plus x au carré, la dérivée de ça, c'est 2x. Ouais. Et ben, j'ai un x au numérateur, donc je vais pouvoir retrouver de la forme u' sur u. Donc, vous allez avoir k exponentielle de moins, je vais essayer de d'abord mettre un 2 au numérateur. Donc, pour mettre un 2 au numérateur, ce que je peux faire, c'est multiplier par 1 demi et par 2. Ok, donc je vais avoir moins l'intégrale de... J'espère que ça se voit. Ah, ça se voit. 1 demi fois 2 x sur 1 plus x au carré dx. Ok, ça va jusqu'à là? Ouais. Le 1 demi, on sort de l'intégrale. Le 1 demi, on peut le sortir de l'intégrale, effectivement. Donc, on va avoir k exponentielle de moins 1 demi intégrale de 2x sur 1 plus x au carré dx. Ok. Donc on a de la forme ln, ln de u, ce qui va être k exponentielle de moins 1 demi ln de 1 plus x au carré. Ok. À partir de ce moment-là, du coup, vous allez pouvoir simplifier au moins un peu votre y0. Ça veut dire 1 sur 2 fois 1 plus x au carré. 1 sur 2. Moins 1 sur 2 fois 1 plus x carré, c'est ça? Puisqu'en fait, l'exponentielle enlève le ln. Donc effectivement, l'exponentielle va enlever le ln. Mais on va faire attention aussi à cette expression-là. C'est que a fois ln de b, c'est égal à ln de b à la puissance a. Ok, donc c'est ce qu'on va utiliser ici. On va utiliser d'abord ça, donc on va voir k exponentielle de moins, on va même mettre le moins à l'intérieur, on va voir du coup ln de 1 plus x au carré, le tout à la puissance moins 1 demi. Ok. À partir de ce moment-là, effectivement, vous allez avoir exponentielle de ln de a qui va être égal à a. Et donc, k multiplié par 1 plus x au carré à la puissance moins 1 demi, qui vous donne k sur 1 plus x au carré au tout à la racine. Ok, on voit pas trop la partie à gauche. Alors, comment je peux faire? Je peux faire un truc. À partir de cette expression là, oui. Vous avez la puissance 1 demi va te donner la racine, okay. Et la puissance négative va te mettre tout ça au dénominateur. D'accord. Okay.
Alors, tac. Est-ce que là c'est mieux? Je peux déplacer encore, si vous voulez. Et du coup. Là c'est un souci d'éclairage. Ouais, c'est mieux. Bon, parfait. Alors. Tant mieux. Super. Ok. Droit. J'ai pas l'impression que c'est pas droit. Non. Sens. Ok. Super. Ouais, je peux pas allumer les lumières. Hein. On est en somme 5, c'est avec une clé encore. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur l'équation, la solution homogène? J'ai pas terminé. Hein. La solution homogène, du coup, c'est S0. Donc, S0, c'est l'ensemble des du coup réels allant vers des réels, et à tout x j'associe mon y0 qui est égal à k sur racine de 1 plus x au carré avec un k appartenant à R. Ok. J'écris beaucoup trop haut. Je vous laisse recopier ça et ensuite j'efface pour avoir un peu plus de place. Ouais, non, ok. Je vais passer la partie à gauche. Enfin non, je vais faire à droite et ensuite je reviendrai. Ok, donc, une solution particulière. Alors, est-ce que ici vous pouvez trouver une solution évidente? Bof. Moi, j'avoue que. Flood. Donc, du coup, bah, on va trouver notre solution de base avec la méthode de base qui va être du coup. KTX. Soit YP qui va être du coup égal à K de X sur racine de 1 plus X au carré. Ok? X au carré plus 1 est racine évidente. Bah, si tu le trouves, tant mieux. Parce que là, moi j'avoue, je sais pas. Ok, donc du coup, à partir de ce moment-là, je vais pouvoir trouver YP'. YP', bah, j'ai un quotient de deux fonctions. Donc je vais pouvoir faire la dérivée de ce quotient-là. Qui va être du coup, alors, k' de x multiplié par la dérivée de racine de 1 plus x au carré. Quelqu'un ? De, la dérivée de 1 plus x au carré à la puissance 1 demi. J'écris de la merde. La dérivée de ça. X sur racine de 1 plus x carré. Bah ça va être. Je vais faire ça. C'est pas 2 sur racine de 1. Tac. La dérivée de u à la puissance alpha. 2x sur 2, du coup on dérive de 2. Ça va être alpha fois u prime fois u à la puissance alpha moins 1. Ouais. Ok. Donc du coup avec notre alpha qui est égal à 1/2, vous allez avoir du coup 1 sur 2 multiplié par la dérivée de 2x. 1 plus x au carré, ça va faire 2x. Fois du coup bah, ce qu'on a au départ, x moins au carré 1. À la puissance moins 1/2. Ok. Tac, du tac, coup, tac ouais, tout bah, ça. La même chose, ça fait du coup ça fait x sur 1 plus x au carré. Ouais. Plus racine. Ok, donc du coup vous allez avoir x sur racine de 1 plus x au carré moins k de x racine de 1 plus x au carré. Pardon.
que j'ai pas de la merde. Ah ouais, j'ai fait de la merde. Non, oui. Vous allez avoir un truc très moche, on est d'accord? Oui. Oui, ok. Oui, effectivement. Donc, du coup, comment vous allez pouvoir trouver une solution particulière ici? Une solution particulière ici. Tac. Quand vous allez pouvoir la retrouver, vous allez pouvoir la retrouver en regardant du coup ce que vous avez à droite. Ok, votre C. Votre C ici, c'est un polynôme. Un polynôme de quel degré? Troisième degré. Ok, vous avez un x au cube. Comment je l'ai écrit? Comment? Tac. Alors, du coup, ouais, vous avez de degré 3. Vous avez du coup à droite de degré 3. Et du coup, bah, vous allez vous dire, ok, si je remplace mon y par un polynôme, puisque vous, à la fin, on veut un polynôme. Ok? Votre c, à la fin, on veut un polynôme. Donc, du coup, ce que vous pouvez vous dire, c'est dire, ah bah tiens, j'ai un x ici. Avec ce x là, je multiplie par un y. On s'est dit que du coup, y, ça serait un polynôme. Ok. Si je multiplie du coup un polynôme, en gros, à la fin, je vais avoir un polynôme de degré 3. X, c'est un polynôme de degré 1. Mon y, je dois remplacer par quel polynôme? Par un degré de quel polynôme? Un polynôme de quel degré, pardon? 2. Oui, logiquement. Tout le monde est d'accord? Ouais. Ok. J'ai un polynôme de degré 3 à droite. Ok. J'ai un y, je veux trouver y. Y ici, ben, à la fin, ce que je vais avoir à gauche, si je remplace mon y par un polynôme, à gauche de mon égalité, je vais avoir un polynôme encore. Puisque j'ai des 1 plus x au carré et des x. Ok. Ce qui m'intéresse le plus ici, c'est du coup le x fois y. X fois y, du coup, bah, mon y, il faut que je trouve le degré de mon polynôme de y auquel je multiplie x pour avoir un degré 3. Donc ça va être 2. Donc ici, x est de degré 1. Je multiplie par un degré de 2, je vais avoir un degré 3. Ok. Et c'est comme ça que vous allez vous dire, ah bah tiens, mon y, c'est de la forme ax y. Ax au carré plus bx plus c. Ok, donc un polynôme de degré 2. Ok, et donc du coup, ce que vous allez avoir, donc on relève tout ça là, n'écoutez pas mes conneries. Donc la solution particulière. Ah, merci pour le prime. Qu'est-ce que vous allez avoir? Comment je vais pouvoir exprimer tout ça? Le degré de 3x cube plus 3x est égal à 3. Donc, pour avoir une égalité, il faut que les degrés des deux polynômes soient égaux. Donc, il faut qu'à gauche, j'ai un polynôme de degré 3. Est-ce que je peux écrire ça? Y est égal à P de X avec degré de P qui est égal à 2. Ok. Et du coup, je vais noter YP. Ainsi,
yp, ça va être égal à ax au carré plus bx plus c, avec abc qui appartiennent à R, au cube. Ok. Jusqu'à là, je dérive yp. Bah, du coup, degré, c'est degré. C'est degré 1 après, du coup. Pour y' prime de p, non ? Ouais, c'est ça. Voilà. Et du coup, bah, vu que on tu me dis qu'il y a un degré 2 par degré 1, tu vas avoir degré 3. Ouais, ça. Donc ici, ça va être 2a x plus b. Ok. Maintenant, bah, du coup, il faut trouver notre a, b et c. Donc je vais remplacer yp prime et yp dans mon équation de base et je vais essayer de simplifier tout ça. Donc je vais avoir mon simple prime plus xyp est égal à 3x au cube plus 3x. Donc vous allez avoir 1 plus x au carré multiplié par 2ax plus b plus x multiplié par ax au carré plus bx plus c qui est égal à 3x cube plus 3x. Quand à droite ce n'est pas un polynôme, on fait comme on fait comme d'habitude. Comme d'habitude. Ouais. Okay. Ça, j'ai bien choisi mon exemple. Ok. Ah oui, mais du coup, là, dans ça, on a les solutions évidentes, c'est ça ? Ou pas du tout ? C'est-à-dire ? Bah, si on, du coup, si on continue sur ça, mm-hmm. on va trouver une solution évidente à la fin, ou non ? Tu vas pas trouver, enfin, tu vas pas trouver une solution évidente de manière comme ça, mais c'est surtout que tu vas, du coup, trouver une équation avec ABC et te dire, bah tiens, il faut que je trouve mes ABC. Oui, c'est ce que je voulais dire. Et du coup, trouver effectivement une solution particulière. Ok. Alors, du coup, je développe ça. Ça va me donner. 2 ax plus b plus 2 ax cube plus bx au carré plus ax cube plus bx au carré plus cx est égal à 3x cube plus 3x. Ok. Je vais essayer de simplifier tout ça. Donc je vais avoir ox cube. En x cube, je vais avoir 2a et a ici. Donc je vais avoir quoi ? 3i, 3a. C'est un a ça ? Ouais, ça c'est un a. A, x. Ax, ouais. Cube. Donc je vais avoir 3ax cube plus. Ok, je vais avoir b, et c'est tout. Donc je vais avoir 2bx au carré et. En x, je vais avoir 2ax et cx. Donc, 2a plus c multiplié par x plus b. Je n'oublie pas le b qui est là. Qui est égal à 3x cube plus 3x. Du coup, on a a égale 1, b ouais. égale à 0. Deux polynômes sont égaux si et seulement si leurs coefficients sont égaux. Donc, je vais avoir une identification. On a donc deux polynômes sont égaux si et seulement si leurs coefficients sont égaux, c'est-à-dire que bah, du coup, je vais faire une identification par degré. Donc, je vais avoir 3x cube qui va être égal à 3, 2b x au carré qui va être égal à 0, etc. Donc je vais avoir 3a qui est égal à 3, 2b qui est égal à 0, 2a plus c qui va être égal à 3, et b qui est égal à 0. Ok ? À partir de là, j'ai mon a qui est égal à 1, mon b est égal à 0, et le c, bah, je vais le retrouver ici, 2 fois. C'est pareil, c'est 1.
3, ça fait 2, plus ouais. 1, 3. C'est ça. B est égal à 0. B est égal à 0 avec ça. Il n'y a aucun x carré dans ta solution. Non, c'est ça. Tu n'as pas de, t'as pas de terme x carré, avec x à 0. Ok. Ok. Tac, tac, tac. Et du coup, je vais avoir donc, 2 fois 1 plus c qui est égal à 3. Ce qui va me donner a est égal à 1, b est égal à 0 et c est égal à 1. Ok. Donc, yp, c'est être égal à x carré plus 1. Ainsi, pour conclure, non, on va dire tout simplement pour conclure, s, c'est être égal à l'ensemble des r qui va dans r, et à tout x, j'associe du coup y qui est égal à y0 plus yp. Y0, on avait trouvé k sur racine de 1 plus x au carré plus, du coup, x au carré plus 1, avec un k appartenant à R. Ok ? Alors, et du coup, effectivement, la solution évidente, c'était x au carré plus 1. C'est la dernière étape, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça, pardon. Oui, effectivement, l'énoncé nous disait qu'en fait, une solution particulière de l'équation différentielle ici, c'était un polynôme. Du coup, c'est pour ça qu'on est passé par ça. Ah, okay, par ça. Ah, ils préviennent généralement. Oui, ils le disent. Oui, sinon. Ah, ça va, non. Ouais, sinon, c'est un peu chiant ouais. À deviner, quoi. Ouais. Ça veut dire que dans l'exercice, normalement, ils disent de faire ça. Bah, ils vont juste te dire, ouais, c'est un polynôme, c'est et ça. Tu te démerdes avec, quoi. C'est, donc, c'est ça, c'est genre en gros, si on te dit, j'ai une expression là, une équation différentielle, pardon, de cette forme-là, une solution particulière de cette équation différentielle va être un polynôme, je ne sais même pas s'ils disent le degré, je ne suis pas sûr. Il me semble dans le TD, il y avait quelque chose comme ça. Bon, oui, dans le normalement, ça, c'est un exode du TD. Hein. Ah, ok, ouais, ah. Voilà, il me semble qu'il précise... Il précise le degré. Je ne suis pas sûr. Bon, s'il précise le degré, du polynôme de la solution particulière, tant mieux. Mais sinon, du coup, vous, avez vous pouvez la retrouver en trouvant votre idée. C'est ça. C'est ça. Oui, bah, du coup, on vous dit le degré du polynôme en plus. Est-ce qu'on peut le faire sans une résolution polynomiale ? Ça va être chiant. Donc, moi, je te le conseille pas. Si on vous dit dans votre énoncé, ah bah tiens, vous pouvez trouver une solution particulière avec un polynôme, bah, utilisez-la et ça sera beaucoup plus simple pour vous. C'est pas pour rien qu'on vous dit, ah bah tiens, avec un polynôme. Du coup, là, on a vu un exemple particulier. Il y a d'autres exemples d'équations différentielles avec d'autres méthodes. Je vous laisserai voir votre TD. On va faire une pause de 10 minutes et on reviendra du coup avec les équations différentielles du second degré. Ok ? Et du coup, je vais regarder un peu plus en distanciel. Et donc, à tout à l'heure.
Alors, est-ce que ça sera toujours précisé s'il faut utiliser les degrés ou non? Ça vous sera précisé s'il faut utiliser du coup un polynôme comme solution particulière, et du coup le degré, oui, aussi. Et là, du coup, comme ce que je disais tout à l'heure, c'est un exemple. Enfin, c'est un exemple, du coup, que avec un polynôme. Et vous avez d'autres exemples dans votre TD. Bon, bah, du coup, voilà. Pour l'ordre 1 seulement. Et pour l'ordre 2, vous devez savoir le faire tout seul, car c'est dans le cours.
Ok. Alors. C'est bien. Ok. Donc, on va passer aux équations différentielles du second ordre. Donc, même chose, il va y avoir trois parties. Donc, la solution homogène, là, une solution particulière et enfin la conclusion. Faudra faire attention ici, du coup, sur la solution particulière, puisqu'il y a deux cas. On va voir les deux cas juste après. Mais du coup, on va commencer par la solution homogène du second ordre. Alors, on est d'accord qu'en finissant la méthode de la variation de la... En finissant la méthode, c'est-à-dire Arduino. Ok, alors, les équations différentielles du second ordre vont être de la forme AY seconde plus BY prime plus CY qui est égal à D. Alors, à partir de ce moment-là, du coup, c'est pas là. Tac, on s'en fout de ça. J'ai pas de son. Ok, donc on va trouver du coup la solution homogène. Avec l'équation homogène, comme tout à l'heure, on transforme l'égalité, enfin la partie droite de l'égalité à 0. Donc notre D ici va être égal à 0. On va considérer que A est différent de 0, puisque sinon on se retrouve avec une équation du premier ordre. Donc une équation différentielle du premier ordre, on l'a déjà fait. Donc c'est moins intéressant. Ok. Et du coup, à partir de ce moment-là, on va trouver du coup une équation caractéristique de notre équation homogène, qui va être du coup AR au carré plus BR plus C. Donc ça va être un polynôme. Un polynôme du second degré avec comme inconnu R. Avec ce polynôme-là, on va l'étudier. On va étudier le discriminant de ce polynôme et ses racines. Et on va avoir du coup trois cas distincts. Si delta, le discriminant, est supérieur à 0, s'il est égal à 0, ou s'il est inférieur à 0. Donc, s'il est supérieur à 0, on va avoir la forme qui est écrite au tableau, voilà, avec les deux racines R1 et R2. S'il est égal à 0, on va avoir une deuxième forme avec R0, cette fois-ci. Et s'il est inférieur à 0, on va avoir du coup une troisième forme. Cette forme-là, je la note... On peut là aussi la noter R1 et R2, mais vous allez remarquer très rapidement que si delta est négatif, vos solutions pour l'équation caractéristique AR au carré plus BR plus C, vous allez pouvoir l'écrire comme étant alpha plus ou moins I bêta. Okay. Et nous, ce qu'on va nous intéresser, on va s'intéresser à alpha et bêta. Et on va pouvoir les injecter dans notre solution homogène. Ok. Je vous laisse écrire. Le sujet, la correction. Alors, si tu me parles du cours qui est au tableau, il est sur Discord. L'exercice juste avant, je vais envoyer la correction maintenant, si c'est fait. Et pour l'exercice juste après, on va faire la même chose aussi. Ça s'ouvre que par ordi, ça ? Comment ? Ça s'ouvre que par ordi. Ah oui, pardon, faut que je t'envoie le PDF aussi. Je vais t'envoyer le PDF, comme ça tu peux l'ouvrir sur ton téléphone. Merci. Alors. C'est le cours. Alors comment j'avais fait ? Généralement, ce sera égal à un polynôme, l'équation ou pas?
On peut avoir n'importe quoi. Donc. Du second ordre, les équations différentielles du second ordre. Ouais. Tu vas avoir deux cas qu'on va voir juste après. Tu vas avoir un polynôme et un polynôme multiplié par une différentielle. Ah, ok. Mais okay. Du coup, il n'y a que ces deux cas. Oui. Ah, okay. C'est que les deux cas qui vont vous intéresser, okay. En tout cas sur la Python. Oui. Alors, est-ce que c'est ça? C'est ça qui m'intéresse. Et du coup, pour ceux qui ne pouvaient pas l'ouvrir, le site, je vous ai renvoyé du coup le PDF de la même chose. Ok. Est-ce qu'on peut passer à la suite? Ouais. Ok. Alors, du coup, à partir de ce moment-là, où ça va être un peu plus intéressant, où effectivement, du coup, on va avoir une disjonction de cas. C'est du coup sur la solution, une solution particulière. Soit on considère D, donc la partie à droite de notre équation différentielle, comme un polynôme. Soit on le considère de la forme P de x fois exponentielle de gamma x, avec du coup un polynôme multiplié par une exponentielle. Oui. Sur le chat, il y a quelqu'un qui a dit qu'il y avait une faute. Je vais voir ça juste après. Mais je crois que oui. Il n'y a pas de solution. Je vais regarder ça après. On va y tomber juste après. Ok. Alors. Donc, on va regarder le premier cas avec du coup une solution particulière avec notre D qui va être égal à un polynôme. Donc on va avoir une équation différentielle AY seconde plus BY prime plus CY qui est égal à P de X. À partir de ce moment-là, on va se dire, une solution particulière de cette équation E est de la forme d'un polynôme, donc Q de X. Ce polynôme-là va avoir différentes contraintes. Okay, si C est différent de 0, donc notre degré va être égal au degré de P. Si C est égal à 0 et B est différent de 0, le degré de Q va être égal à 1 plus le degré de P. Si C est égal à 0 et B est égal à 0, on va avoir le degré de Q qui est égal à 2 plus le degré de P. Ok? Ok, on va voir ça juste après. Et donc du coup, ce qui va être intéressant ici, c'est remarquer, donc en fonction du degré que vous allez trouver une expression comme ce qu'on a fait juste tout à l'heure, ok, le degré est égal à 2, donc mon Q va être de la forme AX au carré plus BX plus C. Ok, par exemple. À partir de là, vous allez pouvoir injecter le polynôme que vous avez trouvé avec le degré et le mettre du coup dans l'équation E et trouver les coefficients de notre Q. Ok. Deuxième étape, une solution particulière avec un polynôme exponentiel, donc de la forme P de x fois exponentielle de gamma x. Notre solution particulière, ici, yp, va être de la forme q de x fois exponentielle de gamma x. En fait, le gamma que vous allez trouver juste ici dans notre équation différentielle E, ça va être le même qui est ici. Ok. En fait, pourquoi on va reprendre notre exponentielle de gamma x? Il va nous permettre de simplifier un peu notre expression qu'on va retrouver juste après et avoir quelque chose de la forme juste en dessous. A, q seconde de x plus grand B Q prime de x plus grand C Q de x qui est égal à P de x. Oui. Je crois que j'ai pas compris c'était quoi gamma. Ok. Gamma, c'est en gros une constante que tu vas retrouver dans ton équation différentielle du second ordre. Tu vas voir par exemple ici 4y seconde plus 3y prime. Ah, c'est déjà donné dans le. C'est déjà donné. Ok. T'as pas besoin de le trouver, c'est juste. Juste ça te permet de dire ce gamma là ça va être égal à ce gamma là. Okay. Alors donc du coup vous allez pouvoir remplacer votre yp dans votre équation différentielle E, ok,
trouver une expression de cette forme-là, et à partir de là, seulement à partir de là, regarder le degré de Q. Ok ? Et donc, ça va être à peu près la même chose que ce qu'il y avait juste au-dessus, sauf que cette fois-ci, on ne va pas regarder les coefficients de l'équation différentielle, on va regarder les coefficients de cette équation-là. Ok ? Avec nos Q secondes, Q prime et Q. Et du coup, vous avez les mêmes à peu près propriétés. Vous retrouvez la même chose, vous trouvez une expression pour Q, vous la remplacez ici, et ensuite vous faites la même chose avec une identification des coefficients. Ok. Et du coup, pourquoi dans la 2-2-2, on injecte le polynôme Q alors que les solutions sont sous la forme Q de X ? Parce que ici, bah, ton Q, il faut que, tu trouves les coefficients de ton Q. Ok. À partir de ce moment-là, bah, du coup, vous allez avoir votre y0 et yp, et vous allez pouvoir les injecter dans votre ensemble de solutions y qui est égal à y0 plus yp. Ok ? Ça va ? Alors, et du coup, on va regarder notre exemple. Alors, déjà, il manque des deux points ici. Ok, et on va regarder un peu plus en détail. L'équation de 0 est égal à 1, donc ça ne veut pas être sur x. Ça. Ok, donc du coup, on va prendre un exemple, y seconde plus y est égal à l'exponentielle de x. Première étape, la solution homogène. La solution homogène, on va prendre du coup d'abord l'équation homogène. L'équation homogène, y seconde plus y qui est égal à 0. On va avoir quoi comme polynôme caractéristique ? On va avoir r au carré plus 1. On regarde le discriminant et les solutions de cette équation-là. Et on va avoir du coup discriminant qui va être égal à moins 4. Donc moins 4 c'est 2i, le taux au carré. Et du coup, bah, les racines de ce polynôme là, ça va être moins 0 plus ou moins 2i, le tout sur 2 fois 1. Donc ça va être plus ou moins i. Ok ? C'est la même chose, c'est la même forme. C'est obligé de le mettre en i. Comment ? C'est obligé de le mettre en i. Alors vu que ton discriminant est négatif. Ça passe par les imaginaires, ouais. T'es obligé de passer par des imaginaires. Et donc du coup ici on a de la forme alpha plus ou moins bêta i. Donc c'est comme ce que vous allez trouver plus i et moins i. Ok. Et du coup bah alpha va être égal à combien ici ? 0 et bêta 1. Ok. Et donc du coup vous allez pouvoir les injecter directement dans votre ensemble de solutions. Avec la méthode qui était juste au-dessus, donc ici avec notre alpha qui est égal à 0 et notre bêta qui est égal à 1. Et effectivement, alpha est égal à 0, donc exponentielle de 0 fois x va être donné exponentielle de 1, donc 1. Exponentielle de 0, donc 1, pardon. Donc du coup, on va voir cette partie-là. Ok ? Ok. Ok, très bien. Donc, maintenant, solution particulière. Notre équation différentielle est de quelle forme ? Est-ce que c'est la première forme avec un polynôme ou est-ce que c'est la deuxième forme avec un polynôme exponentiel ? Polynôme exponentiel. Le polynôme ici est égal à quoi ? À 1. Ok, vous le voyez tous. C'est comme si vous faites ici y seconde plus y qui est égal à 1 fois exponentielle de x. Ok ? Et ici, du coup, votre polynôme p de x fois exponentielle de gamma x, vous allez avoir le polynôme qui va être égal à 1 et gamma qui va être égal à. En fait, l'exponentielle vient d'où ? Comment ? L'exponentielle vient d'ici. Ah, là, je reprends mon expansion. Et gamma va être égal à 1. Est-ce que ça va ?
Ouais. Ok. Donc du coup, vous avez un polynôme exponentiel, donc on va utiliser la deuxième méthode, la méthode sur le polynôme exponentiel. La première méthode, c'est sur polynôme. C'est juste avec un polynôme, oui, effectivement. Okay. Donc, les solutions particulières de E sont de la forme Q de X fois exponentielle de X, avec donc Q de X fois exponentielle de gamma X. Hein, et gamma est égal à 1. Avec un polynôme Q, blablabla. Et donc, bah, on va dériver notre YP. On va avoir Q prime de X exponentielle de X, enfin YP prime, YP seconde. Vous avez l'expression, c'était juste en gros une dérivée de q de x fois exponentielle de x. Okay. Faites attention que vous avez bien une multiplication de deux fonctions, donc vous allez avoir des additions qui seront rajoutées. Et donc vous allez injecter votre yp dans l'équation e et vous allez trouver quelque chose de cette forme-là. Okay. Cette forme-là, c'est comme la forme qu'on avait juste avant, donc avec un grand A q seconde de x. Plus grand B Q prime de X plus grand C Q de X est égal à c'était quoi, c'était P de X. Ok, P de X ici tout à l'heure on avait dit que c'était égal à 1 et vous avez cette expression là avec votre grand A qui va être égal à ouais. Si on fait une identification ici, avec cette expression-là. Non, pas 0. 1. Et si c'était égal à 0, j'avais pas ce terme-là. Ouais. Ça va. Donc, grand A, c'est égal à 1. Grand B, 2. Grand C, 2. Et voilà. Donc, est-ce que grand C est égal à. Est différent. Et, pardon. Est-ce que grand C. Est différent de 0. Oui. Oui. Donc, on va avoir le degré de Q qui est égal au degré de P. Ok. Du coup, c'est 2. Le degré de P ici, c'est pas 2. Le degré de P ici, c'est quoi? C'est 1. C'est 0. C'est constante. Ouais. Donc, le degré donc Q de X, je vais pouvoir le noter comme étant A. Ok. Un polynôme de degré 0. Avec A appartenant à R. Et du coup, Q prime de X et Q seconde de X vont être égales à 0. Ok. Et du coup, je réinjecte mon Q dans mon expression ici et je vais avoir A qui est égal à 1/2. Est-ce que ça va? Oui. Ok, dis-moi où. Il était où le A? Ok, le A, c'est ce qu'on a trouvé ici. C'est en gros la forme Q de X qui est égale à A. Okay. Si le degré de Q c'était égal à 2, bah, c'était ax au carré plus bx plus c. Ok. Ah, ok. Et du coup, on réinjecte le q dans cette expression-là. Q seconde de x, c'est égal à 0. Q prime de x, c'est égal à 0. Et donc, bah, je vais avoir 2a qui est égal à 1. Ok. Ça va. Blablabla. Donc, q de x est égal à 1/2. J'ai pas terminé. Il faut que je trouve yp. Bon, moi, yp, c'est quoi? C'est, on avait dit que c'était Q de x fois exponentielle de x. Donc ça va être exponentielle de 2 sur 2. Et à la fin, du coup, on fait la somme entre les deux et vous allez avoir l'expression qui est juste en dessous. Ok? Ça va? En gros, en fait, à chaque fois, du coup, on fait solution du coup, particulière plus du coup la solution de homogène. C'est ça. Peu importe oui. Quel type de totalement. Équation c'est pour le totalement. Parfait. Ok. Alors, on va voir avec un petit exemple. Et si cette fois-ci, je vais essayer de vous trouver un bon exemple, ça sera bien. Celui-là a l'air bien. Ah. Vous avez une équation E différentielle y seconde plus moins 5 y prime
plus 6y qui est égal à exponentielle de quoi ? 2x sur R. Et du coup, je vous laisse reprendre la méthode, retrouver du coup vos solutions, solutions homogènes, solutions particulières et solutions finales. Et du coup, n'hésitez pas à m'envoyer ce que vous avez fait sur Discord. Oui, j'ai corrigé ça, le plus ou moins i. Et du coup, alpha est égal à 0, effectivement. Et du coup, vous n'avez pas votre exponentielle. Et effectivement. Voilà. Est-ce que vous avez tous trouvé delta qui est égal à 1? Oui. Ouais. Super.
Donc les solutions R1, R2, 3 et 2. Mmh. 2 et 3. L'idéal, non, ça va être là. Si c'est maintenant, avec du coup. Avec les oppositions. Ok, et à 14h, on a quoi? C'est polynôme. Okay. Avec Patrick. Tu vois. Thank you.
ça. Ouais. Alors, je vais expliquer. Je vais expliquer tout ça. A est égal à moins 1. Où est-ce que tu as trouvé A est égal à moins 1, Lucas? Donc, du coup, la solution homogène, vous partez de votre équation, différentielle, vous retrouvez une équation homogène. À partir de cette équation homogène, vous trouvez un discriminant qui est égal à 1. Vous retrouvez les racines R1 et R2 qui sont égales à 2 et 3. Et donc, vous allez avoir une solution homogène de la forme K1 exponentielle de 3x plus K2 exponentielle de 2x. Pour la solution particulière, on a une équation E de la forme AY seconde plus BY prime plus CY est égal à P de X fois exponentielle de gamma X. On est de la forme polynomiale exponentielle, enfin un polynôme et une exponentielle. Le polynôme va être ici égal à 1 et le gamma va être égal à 2. Ok ? Donc, à partir de là, vous allez pouvoir dire, ah bah tiens, mon YP, c'est égal à quoi ? C'est Q prime de X, c'est Q de X fois exponentielle de 2X. Q de x fois exponentielle de 2x, c'est deux fonctions. Et la dérivée de deux fonctions, c'est u prime v plus uv prime. Donc la dérivée de yt prime, c'est q prime de x exponentielle de 2x, multiplié, enfin plus, pardon, q de x fois la dérivée de exponentielle de 2x. La dérivée de exponentielle de 2x, c'est 2 fois exponentielle de 2x. C'est pour ça que j'ai un 2 à côté. Ok ? Je refais la même chose et je redérive. Et donc je vais avoir quelque chose qui est juste en dessous. Oui. Non, en fait. Ok. Donc, du coup, à la fin, je remplace mes YP par mon Y dans mon équation E et je retrouve quelque chose comme ça. Ok. Je remplace du coup mes expressions dans ça là et je vais avoir à la fin Q seconde de X moins Q prime de X plus 0. Bon, plus rien. Est égal à 1. Est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce que tout le monde a trouvé ça? Ouais. Ok. Donc du coup, c'est comme si j'avais plus 0 q de x. Alors, ah oui, ici... Bon, ici, on a juste divisé du coup les deux côtés de l'équation par exponentielle de 2x. Et ensuite, j'ai refactorisé tout oui, ça. Du coup, oui. Ok. Donc, du coup, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que vous pouvez m'en déduire sur le degré de Q? Il est égal à 1. Pourquoi? Parce que le degré de pi est égal à 0. Le degré de pi est égal à 0. Plus le degré de pi plus 1. C est égal à 0, donc le degré de Q est égal à degré de pi plus 1, totalement. Noter ici c'est égal à 0 et b différent de 0. Alors, et du coup, q de x, je vais le noter comme étant je vais pas noter a, je vais noter alpha. Ouais, alpha. Allez, je vais du coup avoir non pas alpha. Ouais, si, alpha. Je vais avoir du coup alpha x plus bêta. Ok. C'est un polynôme de degré 1. Donc du coup, tac tac tac. Et du coup, bah, à partir de ce moment-là, on va essayer de chercher alpha et bêta. J'ai jamais utilisé alpha et bêta. Donc, je... ouais, okay. Donc du coup, on va remplacer dans ça là. Q prime de x. C'est alpha et q seconde de x, c'est 0. Donc, je vais avoir 0 moins alpha plus 0 est égal à 1. Donc alpha est égal à 1. Tac, tac, tac. Et j'ai pas de... Ah, mais là, il y a moins alpha. Moins alpha. Donc, alpha est égal à moins 1. J'ai pas d'expression pour bêta.
C'est ça qui me pose problème. Tac, 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 oui, voilà. Elle est où ? Oui. Ouais. Ok. Alors, je vous rappelle que du coup, ici on cherche une solution particulière. Il peut y avoir plusieurs solutions particulières. Donc, ici, je peux prendre n'importe quel bêta. Vous êtes d'accord avec moi ? Ouais, parce qu'il va dégager de toute façon pour le viril. C'est ça, il n'y a pas d'unicité. Ouais. Ici, j'ai pas de condition sur mon bêta, donc je peux prendre n'importe quel bêta. Ok ? Je vais l'écrire juste après. Donc ici. Bah oui, il n'y a pas forcément besoin de l'écrire, de justifier, non ? Pour bêta, en gros, on peut prendre n'importe lequel. Oui, enfin, oui, tu vas pas vraiment l'écrire. C'est non, ça. En gros, sur la copie, on n'a pas besoin de justifier, non ? Non, t'as pas forcément besoin de justifier. Ici, tu peux écrire moins x plus bêta, avec un bêta appartenant à R. Ainsi, yp, une solution particulière. De mon expression ici, ça va être égal à moins x exponentielle de 2x avec du coup bêta. Alors, du coup, je vais l'écrire. Donc, moins x plus bêta exponentielle de 2x avec bêta qui est égal à 0. Donc, moins x exponentielle de 2x. Ok ? Et du coup, bah après, juste, on prend la solution homogène et on l'additionne à la solution particulière. C'est ça. Conclusion. Okay. S, C, R, qui va dans R, et à tout x, j'associe y, qui est égal à k1 exponentielle de 3x plus k2 exponentielle de 2x. Moins x exponentielle de 2x et j'ai plus de place k1 k2 appartenant à r2 et voilà. Ok, oui, tu peux. Alors j'ai pas compris pourquoi c'était de degré 1. Alors pourquoi on a un polynôme de degré 1? C'est parce que ici j'ai un c qui est égal à 0, le grand c. Notre expression ici qu'on avait, c'était a q seconde de x plus grand b q prime de x plus grand c q de x est égal à p de x. Ici, grand c est égal à 0, grand b est différent de 0, donc le degré de q c'est égal à 1 plus le degré de p. Ça, c'est dans la méthode. Et en gros, tu fais une identification entre cette expression-là et l'expression en vert. On peut prendre le bêta qui nous arrange dans ce cas. Donc ici, 0, c'est très bien. 42, ça fonctionne. 20, ça fonctionne. Tout ce que vous voulez. Hein. Un vingtième, du coup, c'était bizarre. Donc, le degré de Q, c'est égal à 1. Donc, Q de X, c'est de la forme alpha X plus bêta. Et à partir de ce moment-là, du coup, on essaie de trouver alpha et bêta. Donc là, on était sur la méthode 2-2-2. Donc, avec un polynôme et une exponentielle. Avec la méthode polynomiale seulement. Donc 2, 2, 1, c'était une autre méthode. Donc il n'y avait pas besoin de refaire tout ça. Okay, c'est parce qu'on avait une exponentielle qu'on était obligé de passer par là. Pourquoi bêta est égal à 0? Parce que bah, on peut prendre n'importe quel bêta. Ok. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Non? Très bien. Donc, pourquoi bêta est égal à 0? Parce que du coup, on peut prendre n'importe quel bêta. Ici, on n'a pas de condition sur notre bêta. Donc, on peut prendre un bêta qui est égal à 0, bêta qui est égal à 42, bêta qui est égal à 10, comme vous voulez. S'il y avait une condition sur bêta, ben là, il faudrait du coup écrire, ah bah tiens, bêta doit être égal à ça. Donc, alpha plus bêta. Enfin, alpha x plus bêta. Ici, il n'y a pas de condition, donc, pas besoin.
J'ai pas compris l'explication de pourquoi on peut prendre n'importe quel bêta. Est-ce que c'est bon maintenant? C'est quoi une condition sur bêta? Une condition sur bêta, c'est quand tu as quand tu remplaces ton Q de X, donc alpha X plus bêta, dans ton expression que tu avais juste ici, si tu as toujours un bêta, genre par exemple, si mon... ici par exemple, si j'avais quelque chose de la forme... alors attends. Tu pourrais avoir quelque chose du genre... par exemple, alpha X plus... 5 alpha X plus 5 bêta est égal à 5X plus 25. Ici, dans cette condition-là, enfin dans cette expression-là, tu aurais une condition sur ton bêta. C'est comme quand tu fais une condition. Ouais. Ok, donc, rapidement, avant que je sois en retard. Donc la même fiche, hein, vous l'aurez aussi. J'ai très brièvement repris la définition d'un développement limité. Du coup, ce qui va nous intéresser ici, c'est juste ça. Donc la correction de cet exercice-là, je vous la renverrai, évidemment. Au mieux. Tac. La fiche aussi, je vous l'enverrai. Juste avec le mot pour le développement limité, il faut juste les connaître. C'est ça. C'est 6 développements limités. Et après, il faut savoir les appliquer aussi ou pas. Alors, là, dans votre contrôle de cours, le plus important, c'est du coup de les connaître. Ouais. Je sais pas si. Ouais. Et du coup, faire une mini-application. Mais de ce que j'ai vu sur le sujet de l'an dernier, il n'y avait pas d'application en gros. Et il demandait juste. 3, 4. Après, il faut faire attention avec les sujets de l'an dernier, il se peut que du coup le programme diffère. Ouais. Ici, Je vais prendre l'UTD pour rien. Ouais, c'est ça. Ici, par exemple, vous pouvez avoir. On peut vous demander par exemple exponentielle de 2x. Et ici, du coup, il faudra remplacer votre x par un 2. Enfin, 2x. Ok ? Donc, les développements limités usuels à connaître sont les suivants au tableau. Ici, ils sont du coup en 0, à l'ordre 4. Il peut avoir l'ordre 20, enfin bon, c'est que je suis en 20, mais 5, 3, enfin bref, faites attention à l'ordre qu'on vous demande. N'oubliez pas les petits taux qui sont à la fin, sinon vous avez 0. Hein. Les petits taux sont importants. Alors, comme ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez 5 développements limités à connaître. Ici, par exemple, c'était laquelle qu'on pouvait retrouver. Parce que tu vois pas à droite. Ah ok. Il y a toute cette partie là à droite aussi. On va voir ça. Ah bah voilà, comme ça vous me dites. Ok, le premier c'est lequel? Le premier devant lui. Exponentiel. Le deuxième. Cosinus. Troisième. Sinus. Quatrième. 1 sur 1 moins x. C'est ln. Et le dernier. 1 plus x plus 1. Ok. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que celui-là, là, le 1 sur 1 moins x, vous pouvez le retrouver avec cette expression-là? Quoi? Ok. Non, celui-là, non, parce que c'est moins x. Justement, en fait. Si vous prenez 1 plus grand x avec alpha, avec du coup grand x qui est égal à moins x et alpha qui est égal à moins 1, vous allez avoir du coup 1 moins x à la puissance moins 1, donc 1 sur 1 moins x. Ok ? Et du coup, cette expression-là, là, celle où vous avez x plus x au carré plus x au cube plus x à la puissance 4, plus un petit taux de x à la puissance 4, vous pouvez le retrouver avec la dernière expression, le dernier DL. Ok ? Est-ce qu'il y a des questions sur les DL ? Non.
Apprenez-les, ils sont cool. Tu vas envoyer ça sur Discord. Je les envoie sur Discord aussi. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, on doit les apprendre pour être plus rapide. Si tu veux les retrouver avec la fonction de Taylor Leung, have fun. Mais en vrai, apprends-les. Les devants limités visuels vont être importants pour la suite quand vous allez devoir les manipuler. Là, je crois que vous n'avez pas encore besoin de les manipuler, mais vous allez avoir à les manipuler et les savoir un peu par cœur, c'est plus pratique. C'est ça. Ok, s'il n'y a pas d'autres questions, bon courage. Bon cours avec Godric tout à l'heure à 14h sur les polynômes. Et bon appétit. Merci.